tente, se dessine petit à petit l'identité des qualifiés pour la phase à élimination directe. Le stade est plein, l'ambiance monte, ça danse, ça chante depuis plusieurs heures maintenant. Cette compétition a quand même une saveur particulière, aussi bien pour les fans, on le voit bien, mais également pour les joueurs. Et on va évidemment se régaler car il y a beaucoup de talent sur la pelouse aujourd'hui. Et si vous ne le saviez pas, le Celtic Park possède un surnom assez génial, Paradise. Oh oui, pas de doute, on est au paradis. Et voici maintenant l'hymne national de l'Australie. Écoutons maintenant le deuxième hymne. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? Eh bien là, je pense forcément à Marco Verratti, le successeur d'Andrea Pirlo. On lui souhaite d'ailleurs la même carrière qu'au géant italien, ce poste de meneur reculé, de registra, comme on dit. Il défend bien et surtout, il n'hésite pas à repartir balle au pied, comme pratiquement tous les joueurs dégageraient loin devant. Il y a ce petit côté foufou que j'aime bien. Et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Spinazzola. Lorenzo Insigne. Spinazzola. Jorginho. Oh, le bon ballon. Immobilier. Oui, c'était puissant. L'arrêt splendide. Oui, il était bien concentré. Bravo. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Jorginho, Marco Verratti, peut-être une occasion pour Lorenzo Insigne. Immobilier. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon, pas de soucis, mais il doit être plus précis dans le dernier geste. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il a tenté, bien joué. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. S'il le trouve... Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Des occasions, ils en ont eu quelques-unes, mais sans efficacité jusque-là. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début de match. Ils ont déjà quelques tirs à leur compteur et ça pourrait bien finir par payer. Spinazzola. Lorenzo Insigne. Oh, voici Immobile. Quelle fait du bien cette interception. Oh, voici Immobile. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Si
vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais alors aucun. Longue passe vers l'avant. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Dans la profondeur, ça passe dans l'axe. C'est bien donné. Immobilier. Long ballon dans le sens du jeu. Ça manque de précision, dommage. Lorenzo Insigne. La longue passe. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Ça joue à gauche. Jorginho. Jorginho qui cherche à construire. Immobilier qui centre. C'est dégagé. Ça joue long vers l'avant. Sur la gauche. Va-t-il en profiter? En la profondeur, bien vu. Ça peut être dangereux. Sur le poteau. Marco Verratti. Ça n'a pas pu aller plus loin. C'est bien fait, ça. Oh, le tacle. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Jorginho. Oui, c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Ce contre peut très bien aller au bout. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La passe est précise. Immobilier. C'est joué. Insigne. Le but pour l'Italie. Oh, que c'est bien joué. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fait. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Immobilier. Bien, la profondeur. Le gros dégagement. Et il perd l'équilibre. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. La passe dans la profondeur. Marco Verratti, il cherche la profondeur. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit coup d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. L'Italie qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance, et ça fait toute la différence pour le moment. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Ce sera une remise en jeu. Ça sent la frappe. On peut frapper là. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait, mais quand le gardien fait une telle parade, il n'y a rien à faire. Mais le ballon a franchi la ligne. Oh, voici Immobilier. Et ce ballon sur l'aile. Chiesa, bien servi sur le côté.
Chiesa. La frappe. Et l'arrêt est magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. En retrait pour repartir proprement. Il joue en profondeur. Il peut y aller. C'est joué derrière. Il tacle. Il y avait danger. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Il s'en sort bien sur ce coup-là. Mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Oh, ça peut aller au bout. Oh, la frappe! C'est joué dans l'espace. Une grosse intervention. Ce sera un coup franc, bien sûr. Jorginho à droite. Bonne lecture de la trajectoire. Et cette tête! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Et encore une fois, ils sont solides. Et ils essaient de repartir de derrière. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Ce petit but d'avance fait leurs affaires pour le moment. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Bon dégagement, bien joué. Chiesa. Oh, attention! Il allonge vers l'avant. L'ouverture du score juste avant la mi-temps, ça fait toujours du bien. Ça fait donc 1-0. Il cède sous la pression. Le ballon dans la profondeur. Il a stoppé l'attaque adverse. L'Australie qui tente de belles choses là. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Il tente de la jouer dans l'espace. Chiesa. Il met la tête. C'est dégagé, très loin. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un long ballon vers l'avant. Il y a peut-être un coup à jouer. Immobilé qui subit un marquage très serré. Ce n'est pas la tactique de défense la plus élégante, mais c'est diablement efficace quand c'est bien fait. Chiesa s'est joué dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. L'Australie qui peut avancer. Allez. Dernière occasion, peut-être, pour aller chercher leur place en phase à élimination directe. Il écarte sur l'aile. Dans la surface. Et quel dommage, vraiment quel dommage de gâcher l'occasion pareille alors qu'il y avait du monde dans la surface. Le centre aurait dû être beaucoup plus précis. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Il était fini, crevé, carbo comme vous dites. Il fallait le sortir. Allez, plus que quelques instants à tenir. Ça joue bien, côté gauche, il faut insister. C'est joué long, attention. Lorenzo Insigne reçoit le ballon. Oh, l'aspiration! Il ne laisse rien. Faut tirer là! La parade! Magnifique! Oui, quelle intervention! Honnêtement, moi j'ai envoyé des gants. Il cherche la profondeur. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. La bonne sortie du gardien. C'est
c'est fini, ils vont quitter la compétition. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour Fallon Bonheur, il s'impose. Une défaite pour commencer, un nul ensuite, et enfin la victoire aujourd'hui. Est-ce que ce sera suffisant pour se qualifier? Pas sûr. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? Aïe aïe aïe, se fait éliminer comme ça à la dernière journée. Que c'est dur. Mais bon, que voulez-vous? Le verdict du terrain est sans appel. Merci la reine Tulette, vous avez été parfait comme d'habitude. Salut à vous, à bientôt. C'est toujours un bonheur.